c'est l'histoire d'une transformation. Passer d'une organisation bien pyramidale, bien centralisatrice, avec moi en point de mire, à une organisation vraiment collaboratrice. On appelle ça entreprise libérée, entre autres on appelle ça pyramide plate, pyramide inversée, humanisme, enfin, bref, on peut appeler ça de plein de manières différentes. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on essaye d'y faire. Et j'aime à dire qu'on essaye d'y conjuguer la confiance, la liberté et la responsabilité. Dire fait rire, faire fait taire. Quand tu dis les choses, ça fait rire les gens. Quand tu fais les choses, ça les fait taire. J'ai décidé de renoncer à l'exercice du pouvoir que j'ai tant cherché et que m'a conféré le législateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas chef d'entreprise par hasard. Très souvent, les chefs d'entreprise créent des organisations par refus de l'autorité. Et en même temps, on peut observer que les dirigeants aiment bien que ça file droit dans leur boîte. Et puis la deuxième chose, c'est renoncer à l'exercice du pouvoir qui nous a été conféré par le législateur, puisqu'aujourd'hui, le droit nous donne un pouvoir très important dans nos organisations. Donc, si on veut passer d'une boîte où on est du pouvoir du pair, l'organisation pyramidale, au pouvoir des pairs, PAIRS, c'est-à-dire les organisations collaboratives, eh bien, vu par moi, il y a un moment nécessaire de renoncement à l'exercice de son propre pouvoir. À la fois, j'ai décidé d'en lancer et en même temps, j'ai décidé de changer mon regard. Peut-être, c'est peut-être ça le plus important. J'ai décidé de changer mon regard, de m'affranchir de cette culture qui nous oblige, enfin, qui nous contraint d'abord de regarder tout ce qui ne va pas bien. Moi, je suis physiquement à la boîte, jamais plus d'une demi-journée par semaine, pour laisser la place. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est que l'ensemble des processus décisionnels de l'entreprise sont collaboratifs. Par exemple, c'est l'équipe qui va décider des investissements qu'elle va faire cette année. Elle décide bien sûr de comment elle s'organise. Elle va choisir ses formateurs. Elle va choisir son leader, qui est élu par un processus d'élection sans candidat, et ça pour une durée de 3 ans. Ce qui fait que tous les 3 ans, on a 45 équipes dans la boîte, tous les 3 ans, tous les team leaders remettent leur mandat sur la table. On est dans une logique différente. Si un manager dans une organisation conventionnelle pense que son équipe est à son service, dans une organisation collaborative, le team leader est au service de son équipe. Ça fonctionne à l'envers. La formation aussi sur la gestion des tensions, la communication non violente, la formation à la posture basse pour que tous les team leaders sachent jouer de posture et de tantôt d'être parfois en posture haute, mais surtout majoritairement en posture basse pour aider les équipiers à trouver leur place et à grandir. Revisiter l'ensemble des symboles de pouvoir dans la boîte et ce que nous avons fait à l'époque, c'est-à-dire gommer les titres sur les cartes de visite, laisser des costumes au placard. On a rapidement, bien sûr, abandonné les places de parking, les bureaux. On n'a plus de bureaux à partir de ce moment-là. Il y a eu plein de choses qu'on a ouvert les CODIR, puisqu'on avait des CODIR à l'époque, où on laissait des places libres pour tous les gens qui pouvaient venir quand ils le souhaitaient. Fait sauter tous les firewalls qui empêchaient les gens d'aller sur les réseaux sociaux en journée. Voilà, petit à petit, donner la clé de la boîte à qui voulait la clé de la boîte. Enfin, il y a eu plein de choses qu'on a visitées progressivement. La vision chez nous, c'est engager ensemble pour un monde meilleur. Quand tu fais du flexible hydraulique, c'est quand même un peu... d'accord, mais c'est ça notre vision, c'est ça qu'on a posé comme étant le projet qu'on avait envie de partager. Ça m'a changé profondément. Ça m'a changé très profondément dans mon regard sur les autres, dans mon regard sur les mondes. Et je suis riche de ça, ce que je m'en rends compte tous les jours. Et même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire, ça c'est quelque chose absolument magique. L'entreprise libérée, c'était pas un état, mais plutôt un chemin. J'ai l'impression qu'on est toujours au début du chemin pour beaucoup de choses. Mais en même temps, et si tu nous fais le plaisir d'un jour de venir nous rencontrer, ben tu te rends compte qu'il y a déjà plein de choses qui ont changé. Outre le fait que les gens sont plutôt bien dans leur peau, la boîte va plutôt bien sur le plan économique. 2017 a été la meilleure année depuis la création de la boîte. 2018 sera probablement encore meilleure que notre meilleure année. Donc finalement, il faut le voir en conséquence. Ce n'est pas un objectif, la performance, mais si les gens sont bien dans leur peau, la conséquence, c'est que l'organisation sera performante. Le fait d'avoir fait un gros CQFD, 2009 a été l'année terrible pour nous. Je suis très lié à une activité qu'on appelle les travaux publics, les routes, les ponts et tout ça. Et en France, 2014 et 2015 ont été des années extrêmement compliquées dans nos métiers. Pour te donner un chiffre, les niveaux d'activité dans les travaux publics en 2015 ont été les plus bas depuis 30 ans en France. L'adaptabilité qu'on avait gagnée entre 2009 et 2014 nous a permis
de franchir cette deuxième crise, je peux te dire que c'était du billard, mais assez facilement globalement. Donc ça, c'est vraiment un énorme CQFD, c'est que ça marche. C'est-à-dire que en revivant une situation qui est aussi compliquée, voire plus compliquée, on a traversé, on a licencié personne, on a gardé tout le monde dans le bateau, et on a vécu ça de manière assez sereine. Donc ça, c'est vraiment un premier truc que je garde. Être conscient de participer à quelque chose qui est plus grand que moi, d'être un petit peu, de faire ma part du colibri, moi aussi. Voilà. C'est un bonheur de vivre ça tous les jours. C'est un gros kiff, quoi. C'est tout. Dans les organisations pyramidales, il suffit de reprendre les résultats Gallup. Le niveau de personnes qui sont engagées sont extrêmement faibles. Hein. Le résultat de la dernière étude en France, 6% des salariés simplement sont engagés. Premier conseil, c'est de dire, ne vous précipitez pas, travaillez sur vous, hein, inspirez-vous de cette phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Qu'est-ce que vous avez envie de changer en vous d'abord ? Allez visiter ça. Et puis après, prenez le temps de travailler sur le niveau de confiance de votre entreprise. Et prenez le temps de le faire pas par le discours, par les gestes. Hein. Dire, faire rire, faire fait taire. Faites changer les gestes, changez vos gestes, changez votre façon de faire, changez votre posture. Ma perception aujourd'hui, c'est que dans quelques années, le monde de l'entreprise basculera massivement vers des organisations de confiance. Il y a des milliers de PME qui expérimentent des choses. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des grands groupes qui ont initié ces grandes transformations. La guerre des talents est gagnée par ces entreprises-là. Parce que si tu as le choix entre bosser dans une boîte qui va s'intéresser à toi et à ton propre développement, et une boîte qui va te dire, tu mets des étiquettes sur les boîtes là, et puis après, hop là, combien de temps, combien de secondes tu hésites ? Et moi, je pense que tu n'hésites pas une seule seconde. Nos enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas se réaliser dans les boîtes, ce n'est pas le chèque que tu mets sur la table qui fait qu'ils vont rester plus longtemps ou moins longtemps. S'ils ne peuvent pas se sentir bien, s'ils n'ont pas la main pour faire les choses, ils se barrent. Ils se barrent. Et donc finalement, nous, on est quelque part, on a quelques petites années d'avance, mais eux, quand ils vont arriver aux commandes des entreprises, de toute façon, ça sera plié, quoi. Donc finalement, les quelques boîtes comme nous qui prennent un peu d'avance, alors bien sûr, les années comptent double ou triple en ce moment. Mais finalement, c'est juste un tout petit peu anticiper le mouvement qui est en train d'arriver par nos jeunes et qui ne nous donneront pas le choix. Et donc ça, c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. Donc moi, je suis convaincu, vraiment, que dans quelques années, la bascule, elle sera irrémédiable.